Bonjour YouTube, vous pouvez dire bonjour à YouTube aussi sur le chat. Vous voyez, on n'est pas sur une petite épreuve comme celle de l'autoroute. Hein. Celle-ci est vachement plus glauque et dangereuse aussi. Non pas que ce soit pas dangereux de rouler à contresens sur l'autoroute, mais là, on est déjà sur un autre level. Oh, ça va! Ça va, c'est de la rouille. Tu risques quoi? Le tétanos, c'est tout. Je suis pas foufou de la pommade du coup. Les médicaments, je vois pas. Ah, quoique si, il a de la fièvre aussi. En fait, je suppose qu'il faut tout utiliser. Tuer le gosse direct, de toute façon, on sait tous qu'il va mourir. Oui, c'est prévu. Bon, on part de la base que c'est une pommade cicatrisante. Bon, il va chanter, hein, par contre, parce que. Pardon, je suis désolée, j'utilise de la pommade anti-brûlure sur vos coupures. Ah, c'est de la pommade anti-brûlure du coup. Drôle. Là, je suis dans le moment où je commence à hésiter à le faire. Je commence à hésiter à remplir l'épreuve. Tu peux le faire? J'en sais rien, mais défonce tout. Je respecte ce que vous dites. On y va, on y va. T'as intérêt de le faire. C'est ok. On y va. Non, mais on y va. Ah, j'avais bien entendu. Oui. Il faut qu'il tranche la dernière phalange de son doigt. Mais par contre, à la lime, c'est mort. Mais j'ai pas envie de faire ça. Mais j'ai pas envie de faire ça à la lime. Non, mais non, en fait, c'est une lime. Mais moi, je voulais prendre la hache où il y a un gros couteau là-bas. Mais pas à la lime. Ça a l'air d'être un enfant de cœur, dis donc. Oui. Oh, mais t'inquiète, hein, on va pouvoir tous s'en rendre compte, sûrement la semaine prochaine. Ouah, la gueule quand même. Bonjour, je n'ai pas dormi depuis 96. Ah oui, carrément. Est-ce que ça va, Ethan? Très bien. Je vous fais des bisous. On se retrouve jeudi pour les gens qui sont là. Et puis en attendant, bah, bye bye. Ciao.